tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc moi je me présente, je m'appelle Alison et sur ma chaîne YouTube je donne des idées de repas. Je parle aussi de l'organisation, du ménage et aussi je donne quelques astuces. Donc en fait aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Ça va être un grand nettoyage de mon dépôt. Donc je vous laisse poursuivre avec le reste de la vidéo. Je me suis motivée à nettoyer mon dépôt et aussi je vais en profiter à faire un tri. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a tellement de choses. Donc là, je commence à retirer tout et après, je viendrai passer le balai, faire un petit nettoyage, et puis voilà. Il y avait énormément de saleté. Parce que j'avais dit que j'allais nettoyer mon dépôt. Mais après, le temps est passé. Après ça, j'ai oublié de nettoyer le dépôt. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Comme ça me motive. Et j'espère aussi que ça vous motive aussi. Je trie en fait toutes mes sacs et ensuite je mettrai mon sac dans la valise qui est vide. Franchement, c'est un gain de temps et on économise plus d'espace. Donc, dans un premier temps, on vient prendre le côté du sac, on vient le plier comme ceci. De l'autre côté, on vient faire de même, pareil. Ensuite, on vient le plier. Voilà. Et là, je viens prendre ma main, le faire tourner comme ça, une deuxième fois. Attendez, je reprends. Pour ma main, je le fais tourner deux fois. Et je le mets à l'intérieur. Voilà, ça donne ça. J'ai plié sur le côté, comme ça. Ensuite, j'ai plié encore trois fois. J'ai plié trois fois. Là, j'ai juste pris le bout du sac, tourner et le faire rentrer comme ça. Très simple. Donc voilà, en fait, je vous ai montré quelques astuces de comment plier ces sacs de course. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aidera énormément. Et puis voilà, au moins les sacs vont pas traîner un peu partout. Voilà le dépôt bien rangé. Et en plus il y a de la place. On peut passer. Là j'ai en profité pour mettre les sacs de course. Et là, c'est les valises. Au fond, c'est des petites boîtes. Je ne les ai pas jetées puisque c'est des boîtes qu'on va aussi réutiliser à chaque déménagement. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, j'espère que ça vous aura motivé. Donc, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Également sous ma page Instagram. Là, j'ai atteint les 1000 abonnés. Je suis vraiment contente. Merci encore de me donner beaucoup de force. Et là, on y va vers les 10 000 abonnés. Je compte sur vous. Ma chaîne vit grâce à vous.
ceux qui regardent mes vidéos, j'ai besoin de plus de visionnement. S'il y a quelque chose que je peux améliorer, dites-le moi en commentaire. Et plus de commentaires de votre part. Et si vous avez des idées à me conseiller, faites-moi part dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien.